Salut à tous, bienvenue sur apprendrelabatterie.com. J'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux, bonne année. Et oui, beaucoup ont tendance à dire qu'elle peut pas être pire que celle qui vient de s'écouler. J'ai envie de vous dire, méfions-nous. Voilà, je souhaite vraiment qu'elle soit meilleure pour tout le monde, mais voilà, on ne sait pas trop où on va, j'ai l'impression. Alors bon, on va oublier tout ça et avancer, essayer d'avancer, et puis nous on va continuer à travailler notre batterie parce que c'est le but premier de cette chaîne. En parlant de cette chaîne, on vient de passer le cap des 3000 abonnés, donc c'est super, merci. Moi c'est quelque chose que je pensais pas atteindre forcément, je m'étais pas posé cette question, et puis c'est vrai que j'ai pas usé de ruse pour avoir ces abonnés-là, donc ça s'est fait vraiment petit à petit, étant donné que la chaîne, je l'ai ouverte en 2014, donc elle a 6 ans, c'est pas exceptionnel. Il y a des mecs qui ont beaucoup plus que ça en moins de temps, mais j'ai pas publié forcément régulièrement. Mon premier travail, c'était pas de faire des cours en vidéo. Là, ça l'est plus ou moins devenu depuis le mois de mars l'année dernière, vu qu'on ne travaille plus. Mais au départ, c'est vrai que quand j'avais des périodes où je partais jouer ou en tournée, je pouvais pas faire des vidéos ou publier, donc il y a eu des moments de trou, et forcément, par rapport à YouTube, à l'algorithme et tout ça, c'est pas ce qui favorise... qui fidélise en fait les gens, qui fait que l'algorithme publie, enfin montre, fait remonter ses vidéos, et ainsi de suite. Donc, mais mine de rien, 3000 mecs, je trouve ça super cool, donc merci à vous. J'ai vraiment fait cette chaîne car j'aurais aimé avoir ce style de support et d'aide à l'époque où je travaillais la batterie, où je débutais, et je l'ai vraiment fait pour ça, quoi. Donc j'espère qu'elle sert à des gens dans ce but-là, et voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à tout ça. On va passer au cours du jour. Alors, le cours du jour, de quoi s'agit-il ? Donc, cette semaine, c'est un peu la reprise, voilà, on a tous passé les fêtes de Noël en famille, normalement. Du moins j'espère, parce que bon, voilà, c'est triste quand même pour ceux qui n'en ont pas. Me concernant, moi, pendant ces fêtes, habituellement, je descends chez mes parents, je reviens en famille dans mon département natal, le Lot. 4-6 represent, voilà. Et c'est ce que j'ai fait cette année. Et c'est vrai que là, cette année, avec les vidéos et tout, en fait, je ne joue pas, mais le boulot que ça engendre, le fait de continuer à travailler la batterie, faire 3 projets en vidéo à côté, plus les cours et tout ça, c'est énorme. Donc c'est vrai que j'ai lâché vraiment les baguettes, j'ai pas pris d'instrument durant toutes ces vacances de Noël, et donc j'ai pas touché la batterie pendant 15 jours. C'est un moment où je profite pour redescendre chez moi, voir de la famille que je vois pas habituellement, faire vraiment toute autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cours pour vous montrer comment... Après 15 jours d'arrêt, en gros, comment je reprenais le travail et ce que j'allais utiliser pour réveiller un peu mon corps, mes coordinations et tout ça. On a passé 15 jours à bouffer, à boire de l'apéro, et j'en reviens à l'apéro. J'avais dit que je ferais l'apéro pour les 3000, je le ferai, mais j'ai techniquement au niveau de la diffusion en direct, c'est le bordel, mais je vous promets que je le ferai. Donc oui, je vais essayer de vous montrer comment je réveille mon corps, comment je me remets en gros en route en fait après ces 15 jours, et pour ça j'ai choisi un solo de Caisse Claire, de la méthode de Charlie Wilcoxon, qui s'appelle, je ne me rappelle jamais de son nom, c'est ça, Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer. Attention, ça rigole pas. Donc c'est une des méthodes dont j'ai pas mal parlé dernièrement, et avec laquelle je me suis... Enfin, je connaissais la deuxième, les 150 solos, souvent je me répète, et celle-là, je l'ai connue, c'est JP Mott là, qui nous avait demandé d'enregistrer un solo. Et j'ai connu cette méthode à travers JP quand il a demandé de jouer ce solo-là. Donc encore merci JP Mott, batteur des stars parisien. Voilà, et JP Mott, je repense à des conneries. Bon, enfin voilà, je reviens à mon sujet.
je peux pas tout dire en fait là. Je montre mon iPad et tous ces cons, je fais des private jokes. Alors que bon, voilà, je peux pas raconter l'histoire de l'iPad et de JP sans son aval. Voilà. Mais peut-être un jour, vous saurez. Voilà. Donc, pour réveiller mon corps et travailler. Travailler, donc me remettre au travail, j'ai décidé de travailler un solo qui s'appelle Swinging Accents, qui est dans cette méthode-là. Et en finalité, ce solo, voilà, je vous le montre, ça fait ça. Ok, donc comment je suis arrivé à ce résultat-là, sachant que j'ai utilisé plusieurs procédés, je ne suis pas allé d'un coup à fond de la caisse. Alors d'abord, j'ai pris le solo, je l'ai travaillé seul, c'est-à-dire j'ai pris que les mains, que le haut, que la caisse claire. Dans la méthode, il est écrit avec une grosse caisse sur tous les temps. Donc j'ai pris que les mains et j'ai détaillé tout ce qui a été doigté, accent, et notamment j'ai fait attention au doigté parce que souvent il l'inverse et on attaque sur la main gauche. Donc c'est quelque chose qui est traître au départ parce qu'on n'a pas vraiment tendance à prendre appui sur la main gauche et à jouer ses croches à l'envers. De plus, les croches, je les ai swingées. Elles sont écrites binaires. Pourquoi je les ai swingées? Parce que le titre de ce solo, c'est Swinging Accents. Donc, Swinging Accents, je me suis dit, il doit faire swinger les croches. Donc, s'il fait swinger les croches, c'est-à-dire qu'il ne les interprète pas comme deux croches de valeur identique, c'est-à-dire un demi-temps chacune, mais comme si c'était la première et la troisième croche d'un triolet. D'accord? Donc, j'ai interprété le solo comme ça. Au départ, donc j'ai détaillé et premièrement, j'ai attaqué toutes les méthodes dont j'ai travaillé à 80 à la noix. Voilà par exemple le détail à 80 de juste avec les mêmes.
Une fois que j'ai fait ça, j'ai monté les tempos petit à petit. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu détaillé à 80, que j'étais assez à l'aise, je suis passé à 100. Ensuite, à 120. Ensuite, à 140. Ensuite, à 160. Et pour terminer, à 180. Je me suis arrêté à 180. On aurait pu essayer de pousser plus, mais à 180, je trouvais que déjà l'interprétation perdait en qualité. Donc, je me suis arrêté là et j'ai dit stop à ça. Comme vous avez pu le voir dans ces extraits de vidéo, chaque fois que je joue le solo, je garde mon pied gauche sur le temps. D'accord? J'ai toujours un appui. Pourquoi je garde mon pied gauche qui fait les temps? Parce que j'inverse mes doigtés, donc j'ai besoin de savoir où, toujours d'avoir ce repère de pulsation et de tempo. Une fois que j'ai eu fini ça, j'ai pris une autre façon d'interpréter le solo. J'ai rajouté ma grosse caisse sur tous les temps, comme c'est écrit sur la version originale, et mis mon charlet sur 2 et 4. J'ai redescendu tous les tempos et j'ai attaqué une première fois à 80. J'ai ensuite répété la même méthode, 100 à la noire, 120, puis 140, puis 160. Puis 180. Pareil, à 180, ça commence à perdre en qualité. On est de moins en moins. Enfin, moi, personnellement, je suis de moins en moins précis. Je perds sur la qualité des accents, sur l'interprétation. Mes coordinations à gauche, en ayant cet ostinato au pied, sont plus difficiles à passer, etc. Donc, sur le coup, je dis, je m'arrête à 180. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas habituellement. J'ai travaillé avec mes talons posés. Moi, je suis d'un naturel à jouer avec les talons levés.
mes deux pieds, que ce soit le charlet ou la grosse caisse. Là, j'ai essayé de travailler dans un esprit plutôt jazz, style batteur de big band des années 20, où les mecs, ils jouaient talons posés et c'était soft, d'accord ? Fallait pas qu'il y ait trop de volume. C'est quelque chose qui me demande beaucoup de contrôle, que j'ai pas l'habitude d'employer et que je m'efforce de faire de temps en temps, parce que de plus en plus, quand je suis dans un contexte où il faut jouer pas fort, ou plus fin, ou n'importe quoi, et que c'est pas trop rapide, parce que j'ai pas la technique nécessaire pour aller aussi rapidement, je joue avec les talons posés. Ok ? Donc j'ai fait ça comme ça. La troisième façon d'interpréter ce solo et de le jouer, ça a été de garder mon charlet sur 2 et 4, d'accord, avec le pied, et de souligner les accents avec la grosse caisse. Alors, cette façon d'interpréter les solos de Will Coxon, je la tire de Steve Smith, qui a une, pareil, sur sa chaîne YouTube, qui fait pas mal, qui interprète pas mal de solo de Charlie Wilcoxon comme ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va souligner tous les accents qu'il y a au-dessus avec les mains, avec sa grosse caisse. Donc pareil, j'ai essayé de travailler comme ça, et au départ, j'ai repris la première version à 80 à la noire. Et puis ensuite, comme pour le reste, j'ai monté 100 à la noire. Puis 120. Puis 140. Puis 160. Et pour terminer, 180. À 180, on voit que ça devient vraiment tendu. Arrivé à partir de 120, vous aurez pu remarquer que j'ai mon talon qui n'est plus posé, c'est-à-dire que là, j'ai besoin de ma technique talon levé au niveau de la grosse caisse pour pouvoir interpréter, souligner les accents, sinon ça passe pas.
Bien entendu, chaque fois que je vous dis je l'ai fait à 120, 140, je n'ai pas juste pris le tempo au début, stop et en avant, guingamp. J'ai gardé le clic en permanence dans mes oreilles. C'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que avec ces changements de doigté, le fait de swinguer les croches, de rajouter les pieds, vite on se déséquilibre et on perd de l'indépendance. Donc c'est quelque chose qui, bêtement, devient très vite... peut très vite se casser la gueule, on peut très bien perdre le tempo, pas s'en rendre compte. Donc au départ, voilà, faites comme ça. Si après, une fois que vous êtes à l'aise et tout ça, vous voulez travailler sans clic, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au début, pour avoir de bons repères, essayez de garder le clic dans les oreilles et de voir ce que ça donne. Voilà, alors ça, c'est la manière dont moi, j'ai réveillé mes sens un peu de batteur cette semaine, après 15 jours d'arrêt. Je dis pas qu'il faut faire comme ça, c'est une manière de faire. D'autres, ça sera en faisant des solos pendant 3 heures, on s'en fout, quoi. Voilà, moi, c'était la manière que j'ai choisie, que je trouvais rationnelle par rapport à mes défauts. Voilà, j'espère que cette façon d'interpréter ce solo vous plaira. N'hésitez pas à m'en faire un retour ou si vous avez des questions via les formulaires de commentaires soit de la chaîne YouTube soit du site si vous regardez directement sur le blog. Bien entendu, je pense que vous trouverez ce solo sur toutes les plateformes de recherche internet, n'est-ce pas? Quoi dire de plus? Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Si, je remercie aussi tous les gens qui ont tippé, notamment les 2 derniers mois. Il y en a eu pas mal. Donc, merci à vous, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on continue. Je ne vous cache pas que ça fait partie des choses qui sont importantes. Donc, Gaëtan Albert, Jean-Emmanuel Portier, Gilles Fournier, Philippe Drouin, Benoît Latil, Frédéric Chevrier et Dominique Chernot, merci à vous. C'est toujours sympa que vous nous laissiez des pourboires, et même si certains sont assez élevés. Et qu'on appelle, pour moi, c'est plus des pourboires. À partir du moment où les mecs ils laissent 20 balles, ça ne devient pas rien. Je vous rappelle que 20 euros, c'était 130 francs à l'époque, et qu'avec 130 balles, on bouffait au resto. Et oui, c'est pas rien. Ma mère me dit toujours, ne calcule pas comme ça, Stéphane, c'est pas bon. J'aime me faire du mal. Voilà. Bonne semaine à vous, je vous dis à la semaine prochaine sur apprendrelabatterie.com. Travaillez bien et lâchez rien, on y croit. Allez, ciao!